Kucok. Ong jumlah pekah mentoh ke jumlah kan tetapi tidak melaka. Tentang jilu untuk di wajah kopi. Thank you, Mr. President. Just for the record, E3/10,045. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. J'ai une remarque en fait sur ce que vient de dire notre confrère au risque d'ouvrir un débat qui me paraît important. Simplement pour préciser que la défense de Nunchia ne s'est pas opposée à l'admission en preuve des documents servant à base à la liste de l'OCIEJ. Et nous savions tous, toutes les parties, et tous informés que la majorité des documents qui servaient de base à la liste de l'OCIEJ n'étaient pas traduits, étaient simplement Mes courtes questions, du coup, monsieur le témoin, bonjour. Je m'appelle Marie Guiraud et je représente le collectif des parties civiles dans ce procès. Je voulais très concrètement comment des détenus ont été internés. Est-ce que ces personnes
personnes vous donner oralement leur nom, et est-ce que vous les notiez du coup phonétiquement sur les listes, ou est-ce qu'il y avait un autre procédé pour vous de connaître le nom des personnes que vous deviez enregistrer? លោក ស្គាល់ ឈ្មោះ អ្នក ទោស ដែល គេ បញ្ជូន មក នោះ ជា មុន ស្រេច ទៅ ហើយ ពេល ដែល ធ្វើ ការ ចោះ ឈ្មោះ ពួក គាត់ នេះ ចំពោះ អ្នក ទោស ដែល ចូល មក ក្នុង គុក នេះ គឺ គេ មិន បាន ឲ្យ បញ្ជី ពី ក្រៅ មក ឲ្យ គេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គឺ ធ្វើ ផ្ទាល់ ដោយ ខ្លួន ឯង គឺ នៅ ពេល ដែល អ្នក ទោស ចូល មក គឺ សួរ ឈ្មោះ Et sur ce nom que vous consignez, est-ce que c'était la personne qui arrivait, qui vous donnait oralement son nom et vous le consignez par écrit? Est-ce que c'était la procédure en cours à l'époque? គាត់ត្រាតាមនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយនឹងជានីតិវិធីដែលគេប្រើនៅពេលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាគឺនីតិវិធីធ្វើគឺតែមកដល់គឺខ្ញុំសួរឈ្មោះគេដែលខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏ទៅតាមដែលគេឆ្លើយមកហ្នឹងទៅតាមសំណួរដែលខ្ញុំសួរ Et donc, est-il exact de dire que vous pouviez consigner les noms de manière phonétique, c'est-à-dire que la personne vous disait comment elle s'appelait, et que dès lors, vous notiez le nom que vous entendiez? Est-ce que c'est exact? ឆ្លើយមកពីព្រោះដែលការសួររបស់ខ្ញុំគឺវាជាសំណួរសាមញ្ញដែលគេសំណុកឆ្លើយឲ្យមិនពិបាកឲ្យគេលាក់បាំងនឹងយើង Je vous remercie, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous notiez également systématiquement si la personne était accompagnée de membres de sa famille? Et quand, par exemple, des familles arrivaient ou des époux arrivaient, est-ce que vous consignez cette information? Le fait qu'une personne qui arrivait était l'époux d'une autre personne ou le frère d'une autre personne, est-ce que vous consignez ces informations systématiquement dans vos listes? ម្នាក់នឹងជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទោសណាមួយនោះតែលោកមានគាត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីដើម្បីរាយការណ៍ប្រាប់ថាមានក្រុមគ្រួសារគេមកដែរលោកមានដែរធ្វើអញ្ចឹងទេ ចំពោះអ្នកទូដែលមកជាគ្រូសាខ្ញុំអត់ដែលយីការថាមកពីទាំងគ្រូសាទេពីព្រោះខ្ញុំគាត់ឈ្មោះមួយមួយរៀងខ្លួនទៅតាមឈ្មោះដូចថាឈ្មោះអីមកអញ្ចឹងមានទូនាទីអីគេអីតំណែងម្ល៉េះមិនដែលយីការថាមកគ្រូសាមួយនេះឈ្មោះនេះអត់ទេ Vous avez évoqué l'arrivée de familles. Était-il fréquent de voir arriver des familles, des parents avec des enfants, ou des familles plus larges, à l'enregistrement A-S21? ចំពោះប្តីប្រពន្ធកូនចៅដែលមកហ្នឹងគឺមិន
mean nhịp nhọp ít ra nè bộ nè màu bị hàng cù sa màu tự tam phai của bông sau kịp xe chun kịp Việt Nam Donc vous nous dites que les Vietnamiens arrivant au Cambodge étaient en général en famille. Est-ce que je comprends bien votre réponse? Tiang Krosa, ta nhom yol chang tram trau te. Ba du tram trau nung tai nhom mau tam Krosa nung kui pu cha na pu chlong tu pati krau can pu nung. Et donc des familles que vous considériez comme des familles vietnamiennes, Vietnam, pour reprendre les termes de votre précédente réponse, ou pas nécessairement. Donc vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Je vous remercie. Vous avez évoqué hier un jeune garçon qui vous aidait et qui est arrivé en 1978 de Hanoi. Vous avez indiqué hier en réponse au procureur que Lan, ce jeune garçon, avait environ 14-15 ans. Je voudrais vous faire réagir à une autre de vos déclarations. Il situe Lan à un âge beaucoup plus jeune et je fais référence ici à votre interview avec le centre de documentation CDCAM E3/93/20 ERN en français 002 84 9 2. En anglais 00 9 00 2 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02
Puis mon khang comme ma bên trái là cái dôm mao đó. Quạt chết sẽ ban cái dôm ở mà chui mà ra cái nghe cái dôm. Est-ce qu'il lui est arrivé d'écrire des listes également ou est-ce qu'il vous secondait de manière plus d'arrêter, rồi có quạt chui luôn, nó còn là tha, còn là chuyện nhẹ nữa, cầm cả một cái bình chia luôn, vận động thế, ta lăn nó còn lọp thưa bình chi nhẹ châu hay là nhẹ chân pìm tì so mà phải mùi d'arrêter. Quạt mình sơ thương nhận nhọ cái chùm pu nhẹ châu nhẹ chân quạt cho nên cũng khăn được bây giờ quạt để khi miền ca ấy còn lo mà miền nhất thứ ấy bạn quạt ta xây chấm nụ rồi hay chụp xe quạt chán thì vô lấy bật tục nè tu pi ta mà kia đang ở đang ở đằng nè tu nâng hay chụp ta tới ở đằng thà nè tu na nè bật tục na tục na tục na đã châu máu nè Je vous remercie. Vous étiez arrivé pendant la période où vous avez travaillé à S21. D'autoriser des détenus à travailler à l'extérieur, c'est-à-dire de travailler dans l'enceinte de la prison, mais d'être assigné à un travail en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé de faire? À l'extérieur, c'est-à-dire de travailler dans l'enceinte de la prison. Cứ chấm pu nẹt tô để ăn một thứ cá thằng cái đấy khi ăn miên sứt mình chi ăn miên sứt đỏ chanh bì thế mình đã được đường hồ thế đây miên sứt đường cá đỏ nẹt tô một thứ cá thằng cái đấy. Je voudrais vous citer le témoignage d'une participante qui est venue ici, qui a indiqué la chose suivante, que je vais vous lire ce qu'il a déclaré, et je voudrais savoir si cela vous rafraîchit la mémoire. Donc nous sommes à la fin de son séjour à S21. Il indique ceci. Nous sommes le 19 avril 2016, Monsieur le Président, juste avant 11h21-29. Il indique ceci. À la fin, Swasti est venu demander si avait été envoyé d'Orusei. J'ai répondu que c'était moi et il m'a dit que le lendemain, je serai autorisé à travailler à l'extérieur en me demandant de ne pas m'enfuir. Le lendemain, Swasti est revenu avec des vêtements propres. Il a enlevé les entraves à mes chevilles, mais m'a menotté. Il m'a demandé de mettre un caleçon et une chemise. Il m'a emmené à l'arrière du bâtiment pour réparer les machines à coudre. Est-ce que cet événement vous rafraîchit la mémoire? យើងខ្ញុំសួរលោកថាតើលោកចាំរឿងហ្នឹងទេតើពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកជុំមីនេះរឿងអធិនិវេកន្លងយូរហើយដូច្នេះការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺមិនសូវបានចាំទេប៉ុន្តែការងារអ្វីក៏ដោយក្នុងការដកអ្នកទោសឲ្យមកចេញធ្វើការខាងក្រៅមានតែបញ្ជាពីហោបានខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅយកមកចេញមកក្រៅ. Et Hall pouvait-il donner l'ordre à quelqu'un d'autre de mettre en œuvre sa demande? Et si oui, qui, concrètement, changer les prisonniers d'affectation quand ils étaient assignés à travailler à l'intérieur de l'enceinte de S21? Est-ce que vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été mis? จุ่มปูโฮคือที่อนุปเทียนบอสซอมไปมวยดิฉันกินเป็นสัตว์ปลาดังอ้อหนึ่งขนมกองกาปีดังอ้อกิ
គេ អាច មាន សិទ្ធិ បញ្ជា យក ឲ្យ អ្នក នេះ ទៅ យក ទៅ ធ្វើ នៅ ជើង នេះ បាន ទាំង អស់ មិន មាន សម្រាប់ តែ ខ្ញុំ ទេ Je vous remercie. Avez-vous le souvenir que des personnes étaient affectées au nettoyage et au transport d'excréments? Quand vous avez expliqué hier les différentes sections à l'intérieur de la 121, l'organisation du personnel, vous vous souvenez-vous s'il y avait des personnes qui étaient affectées au transport et au nettoyage d'excréments? ផ្ដល់ការងារឲ្យហើយបោះសម្អាតហើយនឹងដឹកលាមកទៅចោលលោកចាំមិនអ្នកដែលទទួលបន្ទុកការងារហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែការងារសម្អាតនៅក្នុងគុកការងារធ្វើអីទាំងអស់នៅលើកងផ្នែកកងការពារទាំងអស់គឺអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគុកហ្នឹង Pas d'autres souvenirs à ce sujet? Et notamment, une fois que les excréments étaient nettoyés, est-ce que vous savez où ils étaient transportés? មានភារកិច្ចអីទៅរឿងហ្នឹងទេដូច្នេះការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះការសម្អាតអីការដឹកលាមកអីនៅលើផ្នែកកងការពារទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Je vous remercie. Avez-vous entendu parler à l'époque lorsque vous étiez responsable des listes à 121 des cas de prisonnières détenues qui auraient été violées par du personnel de S21? C'est quelque chose dont vous avez eu connaissance à l'époque? Vous avez eu connaissance à l'époque? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que d'autres témoins plus bavards que vous sont venus témoigner dans les semaines qui ont précédé. Et je voudrais vous citer le témoignage de Kim Hoi, qui est venu témoigner le 5 mai devant cette chambre et qui a déclaré après 13h58, et cela vous concerne directement, Il parle d'un événement de viol qui se serait déroulé à S21. J'ai dit que la personne qui avait été violée, la prisonnière, j'ai dit que la personne qui avait violé la prisonnière était un assez jeune garçon de 12 à 14 ans et qui venait de l'Ouest. Par la suite, une séance de formation a été tenue et l'on a discuté du viol de cette prisonnière. Et ce jeune garçon n'était pas douche. Il indique ensuite, je ne connais pas le nom de cette personne, mais frère Thi, lui, il le savait. C'était un jeune gardien qui travaillait avec Teng. Et il indique sur les questions de notre confrère Copé, il s'agissait d'un jeune garçon qui avait environ 14 ans. Peg était de fraction et Suosti connaissait peut-être ce jeune garçon qui a commis le viol. Donc je voulais savoir, monsieur le témoin, si le témoignage de Kim Hoi vous rafraîchit aujourd'hui la mémoire. Et si vous avez le souvenir d'un viol qui aurait été perpétré par un jeune garde que vous connaissiez à l'époque.
Kim som mikia tha ka rieng ni kư khnyom ot ban nang chbas de vi pru ani nei knong phnai kong ka pia ban ke dang hai ka dael ke niyei hom ho niyei pi rieng teu rien sop rop khnyom ot ban dang teu rien sop dai pu ka ngi khnyom samkhan mphot kư prakach ne knong kuk ni khnyom ot men pel velia na da teu na ban ne knong 24 maung vichne ka ngi da krai pi nang kư khnyom mun sai chap arom praman Donc comme quand Kim Hoi dit devant chân cette chambre que vous pourriez connaître ce jeune garde qui aurait commis ce viol, cela ne vous rappelle absolument rien. Vậy ở đây bàn tay này khi ông ọt chạm sọt, ọt chạm rương nâng. Hay ca nghĩ nó cứ chỉ rương rồi bỏ con ca phía. Đó là hối bàn cái đằng. Phù kì nó còn lại ca kì là tôi có thể khẳng ca phía. Nên khi ông không bằng chi nó cứ ca nghĩ khẳng cả rái. Cứ khi ông mình sao chạp ở đó mình mà này. Xung khăn bằng phốt ca nghĩ vì mình miền nhật bị. Nó không nè anh. Vì thế ca nghĩ với đây khi ông mình chạm khi ông ai chạy bà. Vous étiez très pris, certes. Yes, Mr. President. The translation wasn't conveyed properly because of the name, but I think we're talking about the same incident. I don't recall speaking about two different incidents. Alors, j'avoue ne pas comprendre la question de notre confrère. Je parle bien de deux incidents, de viol différents, Avant que mon confrère reprenne la parole avec votre autorisation, Monsieur le Président, peut-être que ça aidera tout le monde à suivre si nous pouvions avoir les références des drafts en question. Ça nous permettra d'éviter les confusions et de pouvoir vérifier les drafts. It's my understanding that we speak about one incident. Because of the differences in names, but I suggest to check the transcript. If I remember correctly, but as I said, the transcript is the one to check. But we were talking.
Je pense qu'il faut effectivement clore le débat et chaque partie pourra revenir au transcript. Il me semblait avoir donné les réponses que je les redonne. Pour le premier incident dont je te parlais, en ce qui me concerne, il s'agit de deux incidents séparés. Je faisais référence au témoignage de Kim Hoi, qui est venu témoigner le 5 mai, et je citais un extrait juste après 13h58-30. J'espère avoir clarifié ma compréhension de ces incidents que je considère séparés pour avoir également checké avec nos confrères Khmer. Je souhaitais faire réagir le témoin sur un troisième incident séparé qui aurait impliqué un membre du personnel médical qui s'appelle Sung. Connaissiez-vous Monsieur le témoin, à l'époque, un membre du personnel médical qui s'appelait Sung, et cela s'écrit S-O-E-U-N-G. Sung. Apparemment, j'ai bien prononcé. Là une cái lương chưa mua nhom chăm mình cho bà tế bàn tay pet mình miền pet pet cào nhỉ cào bị chập pet để bọc bằng phở rồi bay ở tới cứ miền pet cào để được cái dầu màu nước cục nắng cứ miền pet mình tay cà chưa mua cứ nhom là cái cứ miền cà tròn chăm mình cho bà này. Et sans vous souvenir nécessairement de leur nom, mais avez-vous le souvenir d'un événement qui aurait impliqué un infirmier qui aurait violé une détenue? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir ou pas du tout? ទោះបីមានការងារការពារទាំងអស់អានឹងស្រាច់ទៅលើហោនិងហុយនឹងពេងគឺអ្នកចាត់ចែងទូទៅទាំងអស់ការងារក្រៅពីភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះការងារខ្ញុំវាច្រើនហើយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចការងារនេះគឺអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទៅការងារខាងក្រៅប្រមាណនេះខ្ញុំដូចនេះខ្ញុំអត់សូវបានដឹងច្បាស់រឿងអស់ទាំងនេះMerci, et j'ai juste une dernière question, monsieur le président. Je vous remercie pour la question de mon temps. Connaissez-vous à l'époque un garde qui s'appelait Choi, qui aurait fui au Vietnam? គឺពីមកទល់ឥឡូវនេះគឺការឈ្មោះការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺអត់ស្គាល់ចាំច្បាស់ហើយប៉ុន្តែវាមានអ្នកទូដែលមានរត់រួចម្នាក់អានឹងមានអ
je vous parle ici d'un gardien qui a été accusé d'un conflit moral. Je vous remercie, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Il s'agit pour l'essentiel de questions de suivi. J'aimerais tout d'abord que nous revenions sur votre biographie. Il s'agit du document qui vous a été présenté hier. Il y a deux biographies, une courte et une plus longue. S'agissant de la plus longue, elle figure à la cote 2-3-10-570. Dans cette biographie, au point 5, il y a une rubrique concernant le statut de classe. Et vous avez indiqué statut de classe pur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie, être d'une classe pure? Alors, je précise qu'il s'agit de la page en Khmer, ERN 012-416-10, et pour la page en anglais, il s'agit de la première page de ce document, à la fin du point 5. Que signifie appartenir à une classe? Alors, si vous n'avez pas ce document, je peux vous le faire remettre. Excusez-moi, pendant que le témoin consulte le document, est-ce que, je peux avoir confirmation qu'en français, on n'a pas forcément toute la traduction. Si c'est le document E3-10-570. Je n'ai pas la version française sous les yeux, j'ai simplement la version en anglais, où il est marqué, juste avant le point 6, il est marqué « classe status ». Okay. En français, ça n'apparaît pas. Donc, je voulais juste m'assurer que. Pour une fois, j'ai fait ma préparation pour le moment à partir de la version disponible qui était l'anglais. Maintenant, on va savoir si ça existe en Khmer. Est-ce,
Est-ce que vous pouvez répéter? I think the question is if it is filled in. I have the Khmer, the French version open. It simply doesn't. It has the line, but it doesn't have a. It isn't filled in. So what about the Khmer version? Can somebody look into the Khmer version? Alors, dans le document Khmer, je pense que c'était la deuxième page. Dans la version en anglais, juste au-dessus du point 6, Occupation after joining the revolution, il y a une ligne où il est écrit class status, pure. Et en Khmer, on m'indique qu'il n'y a pas de mention, comme en français, que c'est non rempli. Donc il y a peut-être une erreur dans la traduction en anglais. La prochaine fois, je ferai confiance qu'aux versions françaises. Dans cette même biographie, vous faites état de vos pharisiens. Hier, vous avez dit que vous n'aviez pas pu devenir membre du PCK à cause de vos antécédents familiaux. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? ហើយការដែលខ្ញុំចូលសម្ព័ន្ធយុវកនឹងគឺដោយសារក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំពុះពីក្នុងសង្គ្រាមបានខ្លាំងគេឲ្យចូលខ្ញុំចូលព្រាមប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកការពិនិត្យប្រវត្តិរូបទៅគឺបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់នៅក្នុងក្នុងពេញទាំងអស់ហើយក្រោយដែលឆ្នាំលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងខ្ញុំក៏ទៅទៅផ្ទះទៅហើយនៅប្អូននៅផ្ទះនោះ4នាក់ហើយបងខ្ញុំនៅ4នាក់គឺមិននៅធ្វើការនៅរបបលន់នល់នេះដូច្នេះ4នាក់នឹងធ
Vous dites que les membres de votre famille habitaient tous à Phnom Penh. Vous avez même été plus précis dans votre biographie, puisque vous avez dit que vous aviez notamment une sœur qui faisait partie du personnel médical et deux frères qui étaient soldats. Vous étiez soldat de l'armée de Lon Nol, M. Siosti. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose pendant le régime démocratique? ក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការឲ្យលន់នល់នឹងគេស្រាវជ្រាវទៅគេដឹងថាបងខ្ញុំធ្វើទៅហេតុនេះគឺយកទៅចាប់យកទៅសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបងខ្ញុំមួយដែលធ្វើពេទ្យទៅហេតុនោះគឺគេមានទៅបាត់ដំបងហ្នឹងក៏វាអត់មានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់បាយខ្សោយអត់មានអីហូបហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៀត À ce jour, vous faisiez partie, je crois, d'une famille de 9 enfants. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que vous avez encore des frères et sœurs qui sont vivants? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងសារពីថ្មីទៀតបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ថាប្រមៃអ្នកទេខ្ញុំថានៅធ្វើទាហានបួនអ្នកនោះគឺទាំងប្អូនថ្លៃទេប្អូនថ្លៃរបស់ប្អូនខ្ញុំឯងប្តីរបស់ប្អូនខ្ញុំឯងហើយចំពោះបួនអ្នកហ្នឹងគឺមាននៅតូចតូចដែលមាននៅតូចហើយដល់សម័យរបស់ជាសុខតៃហ្នឹងគឺជំនះទៅបាត់ដំបងទាំងអស់ទាំងបងប្អូនខ្ញុំទៅទាំងអស់ហើយដែលគេចាប់អ្នកដែលនៅនេះហ្នឹងគឺគាត់នៅជាកងចល័តដែលនៅក្នុងឃ
si je résume, quand vous travaillez S21, vous avez un passé que vous avez vous-même qualifié de petit bourgeois. Si je ne me trompe pas, vous avez également étudié vous-même à Phnom Penh. Et vous avez étudié dans une école qui est toute proche ici. Avez-vous étudié à l'école secondaire ou à l'école primaire de Cham Chau? ខ្ញុំរៀននៅសាលាចោមចាស់នេះគឺសាលាចម្ពូវ័នគឺលីសេគេហៅលីសេចម្ពូវ័នខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី2នៅសាលាលីសេចម្ពូវ័ន C'est bien un lycée qui se situe à Cham Chau. Vous avez appartenu à la division 112 qui dernièrement est devenue la division 703. Est-ce que vous l'avez dit hier? Est-ce que l'appartenance à cette division était un mauvais élément dans votre biographie? នៅក្នុងប្រវត្តិរូបនោះបើគេនិយាយទៅតាមរបបហ្នឹងថាជាសមាជិកភាពវណ្ណៈមិនល្អទេប៉ុន្តែដោយសារការងារដែលគេប្រើហ្នឹងគឺវាមិនសូវមានអ្នកចេះដឹងដូច្នេះគេយកខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីបម្រើការងារហ្នឹងតែម្ដង Monsieur Siosti, je pense que vous avez peut-être remarqué qu'un certain nombre de prisonniers de S21 venaient de la division 703. Est-ce que votre passé, votre appartenance à un milieu que vous avez qualifié petit bourgeois, est-ce que le fait que vous ayez été vous-même un membre de la division 112 était des éléments qui vous ont fait craindre d'être vous-même arrêté? ខ្ញុំបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរស-21នេះគឺថាខ្ញុំការងារខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺខ្ញុំភ័យជាងសម័យដែលនេះដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើការទៀត គឺថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំភ័យជាប់រហូតពីព្រោះខ្ញុំពិនិត្យឃើញមេរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកធ្វើការអ្នកតស៊ូជាមួយខ្ញុំគឺគេចាប់តបតលហូតហូតដល់ចុងក្រោយគេចាប់ហុយនេះទៀតនៅពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំរត់ទៅអស់សង្ឃឹមទៀតព្រោះសម័យហ្នឹងគឺចាប់គេចាប់ទៅតាមខ្សែតែចាប់ខ្សែណាហើយគឺគេចមិនសូវរួចទេ Est-ce que cette peur vous a poussé à être un agent zélé de S21? Je vais passer une autre question. Dans les années 80,
Est-ce que votre travail non, à S21 vous a conduit à être détenu à votre tour? Et si oui, quand? Qu'est-ce qu'on vous a reproché? ធ្វើឲ្យគេនឹងមានធ្លាប់ចាប់លោកដាក់គុកទេហើយបើគេចាប់លោកដាក់គុកនោះតើគេចោតលោកពីបទអីដែរនៅឆ្នាំ1984 ខែ8 ខែ4ខ្ញុំចាំ8 4គេបានមកចាប់ខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយគេចោតខ្ញុំពីរឿងខ្ញុំធ្វើការនៅគុកទួលស្លែងប៉ុន្តែការចាប់ខ្ញុំគេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំជាមីគុកមីគុក Vous avez été incarcéré, et si oui, pendant combien de temps? Hey, qui chap lok da kuk nung a ya pe pon man dai. Qui chap khom da kuk a ya pe prae chi 5 chnam, 5 chnam kut ka me khom pu khom ku nung khom kuk nung ku ma tet mdaong prae chul 5 chnam ta. Dans le chung 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 Merci pour ces clarifications. J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet. Hier, on vous a posé des questions sur S21 et l'emplacement de 21 les différents immeubles composés de S21. J'aimerais que vous disiez, si vous vous souvenez, si au-dessus d'un portail de S21, il y avait un panneau rouge avec des lettres jaunes qui portaient une inscription. Est-ce que vous vous souvenez de ce genre de panneau posé au-dessus de la portaille? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de panneau posé au-dessus de la portaille. Je ne sais pas si vous vous Alors, je ne parle pas du portail principal, mais je veux demander à l'unité audiovisuelle de projeter une image qui provient du documentaire 3/719R dans le titre de The Anka. Est-ce qu'il est possible de projeter cette image? Alors, cette image est difficilement lisible en l'état. La Chambre a demandé au service de traduction de fournir une traduction qui va être déposée très prochainement. Elle n'est pas encore au dossier. Et ITU donc a donné la traduction suivante. ITU constantly, Ethan. The spirit of revolutionary vigilance. Ensuite, il y a un mot qui est visible. All enemy tricks and absolutely protect the nation, the revolution, the people and the party. Je précise également que figure dans le livre de M. Chandler, David Chandler, une traduction en
Donc dans le livre de Monsieur Chandler, Voice of S21. Je ne trouve pas les références. Mais il dit, je l'ai donné tout à l'heure. Il dit ceci. En anglais. Over the gate was a red placard inscribed in yellow. Nó là con phía miền bị đạp buộc đỏ hóm. The Khmer slogan. Đòi miền bị sọc chế bê sa khmer. The spirit of the revolution. Xâm rạp smart đấy lấy bắt đề vọt. Against the strategy and tactics nè anh cứ trên nè diêm trâu trong bờ giặt của con lợn bay rồi bỏ khăm màn đầm bay cà phê bớt chết bớt chết chun đừng bắt. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, monsieur? Thật lúc nó khơi nhầm bị bà đà này, đã kể ta xe biết sao thằng ở nâng thế. Lúc chương kìm riêng chẳng cứ ra rương bà đà, rương ấy này. Cứ khi mình sẽ chỉ chạp ở rộng bà màn thì tao pi trên pi cái lại tao hộp bài nhưng mà hộp bài những chỗ lại mình cũng ở sự chỉ chấp ở rầm mà đường càng gì cái việc thì là cái chỗ bọc là juste une question avant la pause. Est-ce que vous vous souvenez, M. Chosti, si dans les cellules de S21, certaines cellules disposaient de lits en fer? On a vu un certain nombre de photos de S21 montrant la présence de lits en fer et parfois même de cadavres sur des lits en fer. Vous vous souvenez d'avoir vu des lits en fer dans les cellules de S21? On a vu un certain nombre de lits en fer dans les nhôm sâu mình chết cái thằng mình đòn tiệt cứ cả lại cục pi xe nó cứ khi nhôm ọt bàn đăng pi nòng cục nòng miệng đầy thế cứ cả lại cục xe nó dương ọt miệng sệt trâu này rừng kia đại kia ấy nòng bàn tay cào pi đại kia màu hai xong từ từ xong phía sau miệng kia miệng ấy nòng màn khi nhôm chà bà rầm hay khi nhôm chỗ bàn cục bạc kia hàng copy còn xe nó cứ admin cream men ai ke ke men samra neu ptoal nang at tae mdaong ba okun ela ni dal pel samra thai trang hai am be prakas samra chap pe pel ni te te ho da mong 6 kalah rusil ni som ajeung jo veng da veng bntoa ke tamrak ka samraka montrey otrabat laka rom ruop pdo kalai samra neu ptup rong cham meam saksai ដល់សាក់សៃរួមនេះនៅក្នុងឡងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សៃមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 1 កន្លះរសៀលហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនិងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្មការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុ